Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'analyse, enfin pour faire l'analyse de patch note tout simplement, du PTR la 2.35.0. Alors j'ai mis un petit peu de temps à la faire, bon c'est pas trop grave, de toute façon on est même pas encore live. Il y aura peut-être des changements, il y aura même probablement des changements parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas dans la patch note. Je vais directement en parler, comme ça on n'est pas perdu. Irel n'est pas présente dans cette patch note. J'en profite aussi pour, rapidement, on va parler d'Irel après. Asmodan, Raynor, je n'en parlerai pas dans cette vidéo, j'ai fait deux énormes vidéos pour en parler, donc elles seront dans les liens, etc., dans les fiches et tout, donc vous avez juste à regarder en haut et à attendre la fin de la vidéo, et vous les aurez probablement en lien, sinon si j'y pense dans la description. Du coup, Irel n'est pas précisé dans les changements, alors je n'ai pas tout le listing du coup, mais on a remarqué, c'est merci TRQR pour l'info, que le Z01, donc comme j'en avais parlé un petit peu dans le guide d'Irel, le Z01 qui confère de l'armure, c'était une fois la canalisation terminée d'un sort. Ils ont changé ça pour que ce soit dès qu'on lance un sort. C'est un très bon changement, ce qui fait que ce talent 1 pourrait maintenant être récupéré sur Irel, parce que c'était beaucoup trop situationnel et je pense qu'ils ont changé ça parce que ce talent n'était jamais pris. Donc je sais pas les stats, mais je pense qu'il devait être jamais... Pour qu'il fasse ça, il devait jamais être pris. Mais je pense que c'est un très bon changement qui va donner une bonne une niche confortable à ce talent 1 qui était loin d'être dégueu, mais il y avait juste meilleur, malheureusement. Alors, beaucoup de changements annexes, je dirais, sur cette patch note, notamment sur les parties classées, puisque il y a, ça y est, la troisième exclusion, donc la 2.35.0. Eh bien, ça sera très important puisqu'il y aura maintenant le troisième ban. Je ferai une vidéo spéciale débat concernant le troisième ban, donc je vais pas m'aventurer plus là-dessus. On fera vraiment une vidéo spéciale avant que ça arrive. D'ailleurs, je pense essayer de faire ça le plus vite possible. Une vidéo où on parle un petit peu comme on avait fait pour les auto-attaqueurs, sauf que cette fois-ci, bah, je vais un peu plus, moi, donner des sujets. C'est vous qui allez vraiment débattre à fond dans les commentaires, je dirai tout ça. Mais voilà. Le troisième ban, une bonne chose, une mauvaise chose, on en fera une vidéo. Donc je sais que là vous allez commencer à en parler dans les commentaires. Attendez, on fera une vidéo spéciale dessus. Du coup, décroissance, bon après vous pouvez commencer, mais bon c'est dommage. Du coup, décroissance de la cote, ça c'est super important. C'est quelque chose qui aurait dû être là depuis le début du jeu, malheureusement. Ça a mis un petit peu de temps, hein, comme Heroes, la sortie, tout ça. Décroissance de la cote. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement? Les lots des personnes en classé, eh bien, va subir des changements, principalement touchant le très haut niveau de classé, puisque les joueurs de rang diamant, maître et grand maître en ligue héroïque, s'étant classés lors de la saison en cours, mais n'ayant terminé aucune partie depuis un moment, seront considérés comme inactifs, c'est-à-dire qu'il y a du decay. Si vous êtes inactif, ça va descendre. Donc vous êtes par exemple, je sais pas, j'aime 200, j'aime 200. Si vous avez été inactif, alors des fois vous pouviez perdre votre gemme 200 parce que bah voilà, les autres joueurs montaient, mais vous, certains arrêtez de jouer pour garder leur rang. Maintenant, il faudra faire au moins une classée de temps en temps pour garder ça. C'est présent sur tous les MOBA, c'est déjà présent sur Overwatch, c'est tout à fait normal, hein. C'est quelque chose qui aurait dû exister depuis le début sur Heroes et qui n'avait pas été mis en place. Je sais pas pourquoi, mais du coup, ça c'est super important. On verra donc les jours d'inactivité avant décroissance. En diamant, c'est 20 jours d'inactivité. En maître, 15. Et en grand maître, 10. Bien entendu, ils partent du principe que plus vous êtes haut, plus vous êtes censé jouer. Et du coup, eh bien, vous avez peu de jours d'inactivité tolérés. Concernant le statut d'inactif, donc justement, la cote et les points de classement diminueront légèrement chaque jour jusqu'à ce qu'ils terminent une partie en ligue héroïque. Donc ça, c'est dur parce que les points de classement, donc c'est-à-dire que vous perdez en ranking, mais vous perdez également en MMR. Et ça c'est dur, c'est un petit peu dur. Mais c'est double peine, hein. C'est double peine si vous êtes inactif. Après ça ne concerne pas les platines, ça ne concerne pas les gold, ça ne concerne pas les silver et les bronzes, hein. Ça concerne vraiment le haut du tableau. Donc c'est tout à fait normal, je trouve, que ça pénalise pas non plus les joueurs trop bas. Parce que bah voilà, si vous pouvez pas jouer, que vous tombiez bronze, c'est horrible. Par exemple vous êtes silver, vous avez pas pu jouer, bon boum, vous avez pris 2 semaines de vacances et hop, vous pouvez pas, vous perdez votre rang, ça serait complètement con. Donc c'est vraiment pour le côté compétitif du ladder. À côté de ça,
Donc les joueurs pourront également obtenir une période de grâce en terminant régulièrement des parties de Ligue Heroic lors de la saison en cours. Alors ce statut n'est pas trop expliqué à partir de combien de games on obtient cette période de grâce. Mais la période de grâce supplémentaire, eh bien pour les diamants c'est 10 parties, maître aussi et grand master. Donc ça favorise bien entendu les joueurs qui jouent énormément. Si par exemple un grand master prend 2 semaines de vacances, il va pas non plus être pénalisé s'il a beaucoup joué pendant sa saison active. Et ça, je trouve ça bien. Les joueurs inactifs peuvent éviter la décroissance et retrouver leur statut actif en terminant une seule partie en Ligue Héroïque. Donc si vous avez commencé à descendre, vous êtes, par exemple, admettons vous êtes Master, vous avez 15 points d'inactivité, enfin vous avez 15 jours pardon, d'inactivité, le 16e jour, donc vous commencez à tomber, vous faites une classée, c'est bon. Vous mettez fin à ça et il faudra attendre encore 15 jours pour de nouveau être inactif. Modification du système de placement. Les joueurs disputant des parties classées pour la première fois ne pourront plus être intégrés à des parties de placement de rang supérieur à hors 5. C'est-à-dire que les joueurs justement qui... les smurfs, tout ce qui est donc nouveaux comptes, etc. Donc les rerolls, hein, tous les nouveaux comptes, mais également des joueurs qui commenceraient le jeu ne pourront pas sortir plus haut que Gold 5. Et ça, merci. Merci Blizzard, ça c'est bien ça Blizzard. Merci, parce que les mecs qui étaient coincés en silver et qui faisaient un smurf pour faire maintenant c'est mon vrai elo et qui nique le ladder, non merci. Du coup, très bien, c'est très bien ça de la part de Blizzard. Ça évite que des nouveaux joueurs soient beaucoup trop hauts. Ce qui est juste un peu dommage, si je dirais même c'est tout. Enfin, il faudrait faire plus que ça. Mais moi ce que j'aimerais c'est vraiment un rework du système de classé à 2 saisons de 6 mois. Avec une sortie maximum platine 1 pour tout le monde et ce serait génial. Mais bon, c'est déjà un très grand pas que vient de faire pour Blizzard pour améliorer son système de ranking. J'ai fait une vidéo From Zero to Heroes pour parler un petit peu du ranking et j'avais commencé à ouvrir un petit débat aussi là-dessus. Mais le ranking, pour moi, c'est le gros problème du mode compétitif, du mode classé d'Heroes. Beaucoup confondent matchmaking, ranking, tout ça. Le problème, c'était principalement le système de ranking et ça va faire beaucoup de bien. Pour tout le monde, vraiment là pour tous les Hello, on va tous le sentir. Alors bien sûr si vous êtes or et que vous jouez depuis un moment, vous allez du coup croiser des nouveaux joueurs, mais c'était déjà le cas avant. Mais voilà, les nouveaux joueurs ils pourront pas être trop hauts. Et honnêtement ça fait que t'as des joueurs qui vont être mécaniquement bons mais qui connaîtront pas le jeu, pas forcément le jeu. Et je trouve que c'est bien, honnêtement or c'est un palier, voilà c'est très bien. Les joueurs reprenant la Ligue Héroïque après une longue pause ne seront plus intégrés à des parties de placement selon leur performance dans d'autres modes. Donc le principe c'était quoi? C'était qu'un joueur par exemple qui n'avait pas touché à Heroes depuis 2 ans, s'il commençait à faire des classés, donc il faisait ses games de placement, et bien comme il avait joué en QM etc, même si ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas fait de classé, il avait fait de la QM, de la non classée où il avait plutôt bien joué et du coup il avait potentiellement un elo de master à l'époque. Et du coup il allait jouer avec des masters alors qu'il a plus du tout le niveau master. Ça évite ce genre de choses puisque à chaque saison il y a un soft reset et du coup on perd un petit peu d'elo. Donc voilà, c'est pour pas que le mec il reparte master instant et qu'il tomberait plutôt du coup diamant ou platine. Donc ça c'est très bon aussi. Donc pour les nouveaux joueurs et pour les mecs qui ont repris le jeu des mois après, je trouve ça très bon. Deux super changements pour le système de placement, donc le ranking. Modification du système d'association en Ligue Héroïque. Donc là c'est le matchmaking. Le niveau de jeu prend la priorité sur les points. Ça c'est quelque chose d'important. Là je vous l'ai dit, hein, alors en dehors de ça et ça qui concerne tout le monde, on repart comme pour le decay, on repart sur vraiment du ça concerne vraiment le très haut niveau. Là c'est Master, Grand Master de nouveau, donc les 1% de la population d'Heroes. Lorsque des joueurs de rang maître et grand maître sont associés, les alliés et adversaires choisis sont désormais déterminés en fonction de leur niveau de jeu et non de leur point de classement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait un Master 3000 points qui jouait, qui avait par le passé, voilà, c'est un joueur pro qui est très bon, il a une excellente MMR et tout. Il était mis avec d'autres Masters 3000 points alors qu'il était largement meilleur qu'eux potentiellement. Et du coup ça faisait des games un peu imbuvables pour ces joueurs là. Maintenant il va potentiellement tag avec des grands maîtres qui ont la même MMR que lui. Donc bien entendu vous verrez aussi des tweets de grands masters qui feront ah mais pourquoi c'est avec lui Blizzard Future Matchmaking, alors que l'elo bien sûr sera parce qu'on connaît, on le sait, hein, y a des pleureuses à n'importe quel elo et en pro vous avez également des pleureuses, hein, je ne mettrai pas de nom, mais du coup vous aurez aussi ce genre de choses
attention à votre esprit critique et de vous dire, lui, c'est un jambon. Non, mais du coup, non, ça arrive, on fait tous des tweets de jambon parfois. Il y en a plus que d'autres. Et du coup, eh bien, ça fera du bien pour que justement. Ce qui est expliqué, c'est que voilà, des joueurs qui ont repris la saison peut-être un petit peu tardivement et qui ont une super MMR, bah, ils tomberont pas avec des mecs juste parce qu'ils ont les mêmes points de classement et pas leur MMR à eux. Alors cela devrait assurer une meilleure expérience aux joueurs de niveau de jeu très élevé qui commencent à jouer après le début d'une saison. Le début de saison, c'est toujours un peu la clown siesta, donc certains comme moi par exemple aiment bien attendre un peu. Bon après je suis pas non plus niveau de jeu très élevé, mais parce que là on parle de mecs d'un niveau de brise etc qui n'auraient pas commencé la saison au tout début. Ils ont un petit bonus qui est plutôt intéressant pour jouer avec d'autres mecs de la même MMR plutôt que le classement. Les parties disputées par ces joueurs devraient rassembler des alliés et des adversaires au niveau de jeu moins variable et plus proche du leur. Voilà, c'est le but tout simplement, donc c'est très bien. Parce que les seuls petits problèmes de matchmaking concernaient ce genre de choses, hein, de cas de figure. Les problèmes de matchmaking, beaucoup en parlent, mais peu sont concernés au final. Et justement, ça permet d'améliorer vraiment là le matchmaking du niveau très compétitif. Règle d'association et notification. Un joueur de rang inférieur à maître qui a passé moins de 3 minutes en file d'attente ne sera pas placé dans des parties ne respectant pas les règles d'association qui se seraient appliquées si la partie avait été formée autour de ce joueur. C'est-à-dire que pour que les files d'attente soient moins longues, pour que les gens se plaignent moins des files d'attente, Blizzard assouplissait avec le temps la manière de trouver des parties. Et du coup, au bout de 3 minutes de recherche, un master, eh bien, il pouvait jouer potentiellement avec du diamant, etc. Si jamais on trouvait rien. Maintenant, ça sera évité, donc les temps d'attente en master, grand master seront plus longs, les files d'attente seront plus longues. Je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs sur le jeu. Hein, comme je vois des fois, parfois, ça veut rien dire ça. Sur League of Legends, qui est probablement le jeu le plus joué au monde, en master, grand master, enfin en master challenger, vous avez des temps d'attente insane. C'est pas pour rien, c'est pour qu'il y ait des games d'un niveau correct en fait, tout simplement dans cette partie. Donc là, ça devrait faire beaucoup de bien, ça devrait faire beaucoup de bien justement, parce que bah, des fois c'était l'assouplissement qui foutait le bordel. Non, ce que les joueurs globalement en Master Grand Master veulent, c'est des games corrects, des games avec un bon niveau, pas des mecs, des One Trick Pony, Nazibo Grenouille qui pop en GM parce que bah voilà, tout le monde s'est jeté dans les grenouilles. Non, ils veulent une game décente où ils vont. Bah après, il y aura quand même du murky, peaky, etc. Ça veut pas dire que les mecs peuvent pas troller. Hein. Mais il y aura des games avec un elo sensiblement plus respecté, je dirais. Les joueurs recevront désormais une notification leur indiquant l'assouplissement de ces règles afin de leur trouver une partie plus rapidement. Des critères de différence de rang plus stricts. Les joueurs de rang maître et grand maître seront désormais uniquement associés à des alliés et des adversaires issus de divisions directement supérieures ou inférieures à la leur. Explication. Donc les joueurs de rang maître pourront être associés soit à des joueurs de rang diamant 1, soit grand maître, mais jamais les deux à la fois. Ça évite qu'un master tombe avec du grand master et des diamants, quoi. Genre, ça arrivait très souvent en master grand master vers 6h du matin quand il n'y avait vraiment plus personne. Ils partent voilà, sur des games un petit peu difficiles. Donc maintenant, ça n'arrivera plus jamais. Soit le master tombera dans des games diamants, soit il tombera dans des GM, mais pas voilà, ça c'est le truc de 6h du matin bien entendu. Les joueurs de rang grand maître ne seront jamais associés à des joueurs de rang inférieur à maître, donc plus de grand master qui tag avec des diamants. Cette restriction ne sera pas assouplie pour les joueurs d'Europe et d'Amérique du Nord, toutefois cela peut être le cas pour des joueurs d'autres régions. Il faut savoir que pour ceux qui se plaignent de l'Europe, allez en Australie, allez dans la zone Océanie, les serveurs sont malheureusement, il y a très peu de joueurs. Là par contre il y a très peu de joueurs et du coup à très haut niveau bah, ça peut être la merde et du coup il faut quand même qu'ils puissent jouer, donc ils joueront probablement avec des diamants etc. Les codes de la zone Europe ne sont pas forcément les mêmes pour les autres. Pour l'Amérique et l'Europe c'est ok, ce qu'on applique etc. au niveau du matchmaking tout ça, ça doit être revu dans d'autres régions où il y a moins de joueurs. Les différences de code plus strictes. Les joueurs de rang maître et grand maître sont désormais soumis à des fourchettes de niveau de jeu moins larges pour la sélection de leurs alliés et adversaires. Au passage, la musique était très forte, je pense, je ne sais pas. Peut-être que vous allez vous en plaindre, mais j'ai baissé. Du coup, les joueurs de rang maître et grand maître sont désormais soumis à des fourchettes de niveau de jeu moins larges pour la sélection de leurs alliés et leurs adversaires. Exemple, il sera extrêmement rare qu'un joueur de rang grand maître très haut classé soit associé à un joueur de rang maître sur le point d'être rétrogradé en diamant. Donc, exactement comme c'était marqué au-dessus. Un grand maître ne peut plus tomber avec un master 500 points ou un master ouais, qui va bientôt passer diamant. Donc ça c'est bien.
évidemment aussi pour améliorer, rendre plus saines les games à très haut niveau. Si un joueur de grand maître est placé dans une partie grand maître, cela signifiera que le niveau de jeu de ce joueur est très proche de celui des joueurs de grand maître. Bon, voilà, donc là ils le redisent, mais ils l'avaient déjà dit avant, mais pour éviter qu'il y ait trop de pleureuses, ils l'explicitent un petit peu, mais ils venaient de l'expliquer un petit peu avant de manière sous-jacente. Donc si un joueur maître maintenant tombe avec des grands maîtres, c'est que le mec, bah, il a une très bonne MMR. Donc c'est pas, voilà, faut pas dire oh là là, les maîtres ils tombent dans des games de grands maîtres. Il y a des maîtres qui sont parfois meilleurs que des grands maîtres. Si le mec a 5000 points, il est aux portes du grand maître. Ça veut pas dire qu'il est nul, mais loin de là. Dans ce cas de figure, les points de classement du joueur de rang maître ne sont pas encore arrivés à hauteur de son niveau de jeu. Donc tout simplement, ils expliquent que potentiellement c'est un grand maître qui a retombé maître et qui va repasser grand maître. Ou que c'est un Breeze qui a pas pu jouer le début de saison et c'est un mec qui va potentiellement rentrer en grand maître dans peu de temps par sa MMR qui fait que il continue de monter. Les champs de bataille. Alors des changements là-dessus. Ça c'est super important, les héros ne peuvent plus soigner, protéger ou cibler des mercenaires alliés. Le truc fait deux lignes et il pourrait tout changer dans la méta. Imaginez des Malfurions aussi qui avaient la possibilité de remonter. C'est pas pour rien que Malfurion était revenu aussi, hein. Malfurion il pouvait soigner les hardcamps et tout. C'est plus possible. Donc on met sur un pied d'égalité les soigneurs alors qui peuvent soigner des sbires. Eh bien à ceux qui pouvaient pas. C'est vachement important, c'est vachement important. Passe d'Alterac. Les géants de glace, vitesse d'attaque réduite d'environ 30%, donc ils taperont moins vite, par contre ils taperont beaucoup plus fort, que ce soit en neutre, donc quand ils sont pas encore capturés, et quand ils sont capturés, ça augmente considérablement les dégâts, hein. 240 à 312 et 400 à 520, c'est assez énorme. Par contre la cavalerie, donc on valorise, on renforce un petit peu le géant de glace. Par contre la cavalerie, le bonus aux dégâts conférés par des unités de cavalerie ne s'échelonne plus avec chaque événement accompli. Et désormais toujours de 10%. Ça c'est assez important mine de rien. Parce que les dégâts pouvaient monter assez haut. Donc c'est mine de rien en fait le scaling est changé. Donc le scaling est repensé. C'est pas mal. J'aime bien l'idée, pourquoi pas. Champ de l'éternité, mini carte. Parce que c'est vrai que passe d'Alterac, il y a encore des changements à faire, je pense. Il y a encore des changements à faire. Mais il n'y avait pas un autre truc sur l'armure? Il y avait un truc sur l'armure, il me semble. Je vais aller sur la patch note anglaise. Ah bah non, il me semblait qu'il y avait un truc sur l'armure comme quoi. L'armure n'allait plus augmenter, peut-être qu'ils l'ont viré, je sais pas, c'est bizarre. Il me semblait qu'il y avait un truc sur l'armure justement que maintenant gagnerait plus d'armure en fonction du nombre de mecs. C'était peut-être déjà passé ça, c'est peut-être déjà passé, je confonds peut-être avec une ancienne patch note. Mais bon, voilà, c'est l'idée. Du coup, BOE, la mini-carte. Les icônes de la mini-carte représentent des immortels au cours d'un événement ont été mis à jour. Les immortels ennemis ont désormais les icônes représentant des haches croisées, tandis que celles des immortels alliés représentent un bouclier. Pour vous montrer un petit peu, voilà, que l'immortel allié, faut le défendre. L'immortel, un petit peu sur la mini-carte, ça c'est plus pour les nouveaux joueurs, mais voilà, réindiquer un petit peu l'objectif, protéger votre immortel tout en attaquant celui de l'adversaire. Cela devrait aider les joueurs à identifier plus rapidement quel immortel attaquer ou défendre. Voilà, c'est pour les nouveaux joueurs là-dessus, ça c'est bien. Laboratoire de Braxis, toujours plus de visibilité. C'est important. Laboratoire de Braxis. Les balises. Ça c'est super important. On essaye. Il y a eu Blizzard, on avait parlé beaucoup sur des amas. Essayer de renforcer la compétitivité de certaines maps un petit peu boudées. Braxis fait partie des maps qui pourraient potentiellement jarter dans la poule de héros des joueurs pro qui aiment pas trop. Eh bien on change un petit peu la manière de jouer sur Braxis. Puisque maintenant, dès que vous rentrez sur une zone, vous contestez. Donc dès que vous rentrez sur la balise, même si le contrôle de l'adversaire, instantanément, dès qu'il y a des héros qui rentrent, ça conteste la zone. Et ça, c'est super important. C'est également un air Frexar. C'est également un air Frexar passivement. Mais c'est super important parce que combien de fois tu t'étais. Enfin, il y avait un mec de ton équipe qui était mort, t'arrivais sur Braxis. Moi, personnellement, c'était la map que je détestais le plus jouer en classé. Hein. À cause de ce genre de choses, tes potes meurent. Et sur les autres maps, tu peux tempérer ça, tu peux faire d'autres choses. Sur Braxis, tu pouvais pas. Enfin, c'était. Voilà, il faut aller sur la balise, mec, tout le monde est mort, machin. Enfin, c'était insupportable. Insupportable. Et du coup, c'est bien ça. Dès qu'il y a deux héros sur la zone, ça conteste la balise. Ça, c'est vraiment bien. La vague de Zerg. La vague de Zerg de base a été renforcée significativement. Alors là on pourrait se dire quoi, les Zerg encore améliorés. En fait c'est le scale, c'est le changement, c'est, vous savez quand vous aviez même pas de Zerg en fait. Quand les Zerg alliés, vous aviez 5 Zerglings là, 5 pauvres Zerglings parce que le mec a eu un 100% et vous 0. En fait même le 0%,
aura de l'impact. Donc il y aura beaucoup plus de zerg. C'est plus des petits zerglings maintenant. C'est il va y avoir beaucoup plus de zerglings. Enfin, beaucoup plus de zerg. Et du coup, ça forcera plutôt que 5 mecs push avec les zergs. Au niveau pro, ça force un peu que des mecs défendent la vague de 0% quand même. Au moins un mec qui défende pour éviter que bah, tout le monde all-in avec la vague de zerg en mode de toute façon on risque rien au top quoi. C'est. Pour éviter un peu le snowball, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée, sachant que ça s'additionne avec le fait que les tours donnent moins d'XP maintenant. Barre de progression des balises. La barre de progression dans le coin inférieur droit de l'écran a reçu une mise à jour visuelle afin de correspondre. Enfin, de mieux correspondre aux changements ci-dessus. Donc ça, c'est très très bien. Braxis, là, des très bons changements pour Braxis, hein, honnêtement. Très très bons changements. Alors, on va parler rapidement des persos. Il n'y a pas eu des énormes changements. Cassia, la lumière aveuglante, je rappelle qu'il y avait eu des énormes buffs, hein, avec les dégâts de 100% sur les auto-attaques renforcés sur les mecs blind. Maintenant, le Z inflige désormais aussi 50 points de dégâts. Je rappelle que le blind de Cassia ne peut pas démount, ne peut pas faire, il fait pas de dégâts. Et bien si vous prenez la lumière aveuglante au 1, et je trouve que c'est un très bon changement, ça infligera des petits dégâts, c'est pas énorme, mais 50 points de dégâts aux ennemis dans la zone ciblée, sachant que vous avez plus souvent votre Z, donc plus souvent de dégâts aussi. C'est bien, honnêtement c'est un petit changement en plus, mais qui est plutôt appréciable sur ce talent 1. Chromie, alors ça c'est un truc que j'attends depuis très longtemps, que je trouve débilos, les corps à corps qui ne peuvent pas, même si vous avez la vision sur le sablier, vous ne pouvez pas taper au corps à corps le sablier parce que sinon, eh bien, vous étiez pris dans le piège. Complètement débile ça, hein, complètement débile. Et du coup, ça a été changé pour que justement les mecs en mêlée puissent quand même taper le piège si ils ont la vision dessus sans qu'ils se déclenchent. Waouh, ça, merci, hein, parce que le counterplay, c'est vrai que bah, sur les builds, enfin non, je vais même pas en parler. Mais du coup, c'est vrai que c'est important que de pouvoir le faire en tant que corps à corps. Des fois, on se trouvait un petit peu démunis face au piège en tant que corps à corps. Donc ça, c'est un très bon changement qui aurait dû être présent de base. Mais c'est sûr que c'est un nerf chromie passivement. Mais c'est important. Raynor, j'ai fait deux vidéos, une courte, une longue, sur le rework Raynor. Je vous laisse aller la voir. Concernant Asmodan, pareil. Asmodan, j'ai moins pu tester que Raynor, mais Raynor, très très bon. Pour les anciens joueurs de Raynor comme moi, vous vous régalez. Pour ceux qui n'ont jamais joué Raynor, vous avez l'impression que c'est un nouveau perso. Donc les anciens joueurs ne sont pas perdus. Ceux qui n'ont pas joué Raynor, c'est un nouveau perso. C'est juste génial. Asmodan, beaucoup de changements. On casse le côté cancer. On essaye de casser un peu le côté cancer, le rendre un peu compétitif aussi. On verra, trop tôt pour juger. Parce que c'est vraiment un gros changement de fond et de forme pour Asmodan. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Maintenant, Alexstrasza, changement super important, il fait une ligne et ça change beaucoup de choses. Rend désormais, donc la lieuse de vie, donc vous avez les flammes rédemptrices qui permettent à Alexstrasza de bombarder en soins ou en dégâts, même si plus en soins les dégâts sont pas terribles. Lieuse de vie, donc l'autre ultime, espèce de sous-guérison ancestrale, rend désormais également Alexstrasza et sa cible 300 points de vie par seconde pendant la canalisation. La canalisation dure 3 secondes, donc c'est 100 PV par seconde. Au niveau 0, c'est un énorme changement. Mais genre, énorme changement. C'est une guérison ancestrale toutes les 60 secondes. C'est énorme. Ce qui vient d'arriver pour Alexstrasza, je pense quand même qu'on verra plus les flammes rédemptrices parce que ça permet à Alexstrasza d'aller aider sur un double front, de s'en sortir aussi en escape, de temporiser un dragon, tout ça. Mais la lieuse de vie, maintenant, va devenir vraiment très forte. Hein. Très très forte. Là, on est sur un très très bon ultime. Et c'est cool, c'est cool. Vraiment la lieuse de vie, voilà. Il y a maintenant une véritable alternative posée en mode, enfin sur les ultimes d'Alexstrasza. T'as deux choix qui sont excellents. Donc je suis très content de ce qu'ils viennent de faire sur Alexstrasza. On a un peu testé sur le PTR avec Arty et d'autres potes. C'était très très bon. Et au niveau de la collection, bon, des changements par rapport à la sortie voilà les nouveaux skins avec l'événement Mad Max, hein, vous avez compris. Mais du coup voilà des nouveaux skins de changer un petit peu là-dessus. La biquette céleste, qui achète pour la première fois des gemmes avec de l'argent réel recevront cette monture, la biquette céleste. Donc ça devrait être une biquette astrale. Donc bah bon, moi j'achèterai un truc parce que ça a l'air rigolo. Les biquettes c'est quand même mignon comme skin, comme truc. Et il y a la moto. Une nouvelle moto aussi. Correction de bug. Diablo, lorsqu'il marche, ça pourrait être interrompu. Blablabla. Bon, on s'en fout un peu. J'ai pas noté de correction de bug de dingue. Enfin, j'ai pas vu. Si jamais il y a des grosses corrections de bugs, maintenant je vous mets un peu à contribution pour éviter que la vidéo soit trop longue. S'il y a vraiment des bugs de fou, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais c'est vrai que j'ai pas été.
enfin je non, je, d'habitude quand celles sont courtes, mais là on a beaucoup parlé de la MMR tout ça, donc je vous laisse m'en parler. C'est vrai que la patch note, de toute façon elle sera dans la description, mais c'est vrai que les bugs j'ai pas trop regardé. Du coup, eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette 2.35.0? Beaucoup de changements concernant la MMR à très haut niveau, ça c'est super cool. On l'attend depuis un moment, que ce soit la MMR ou le ranking, donc je suis très content. Les petits changements, mine de rien, à l'Extraza c'est une ligne, mais ça change beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, sachant bien sûr qu'il y a les vidéos de rework, encore une fois, d'Asmodan et de Raynor qui sont déjà faites et qui ne feront pas partie de cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller les voir si vous ne l'avez pas vu, c'est super important. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Et n'oublie pas, encore une fois je le dis à chaque fin de vidéo et c'est pas pour autant que tout le monde le fait, les abonnements YouTube, le follow Twitter et le like de la page Facebook. Allez, je m'en vais. Des gardes, des gardes.